Donc ça va être assez court, je pense. On va faire donc les trois niveaux restants de ce jeu, accessibles seulement via le menu Features. Apparemment, je suis obligé de lancer une partie. Voilà, c'était juste avant le boss. Et donc on va se faire les trois niveaux qui... Merde, oh putain, c'est vrai qu'il fallait sélectionner avant. Ah, attends, par contre, j'ai oublié un truc, vite fait. Voilà, c'est au niveau du son. Ok. Donc features, level. Donc là, faut que je choisisse avant. Voilà, c'était Warp to Fun. Voilà, le chat et la souris. On va commencer par ça. Et on va voir ce que ça donne. Ah d'accord. D'accord. Donc je suis la souris. Donc faut se faire le cyber quoi, c'est ça. Putain mais d'entrée de jeu quoi. Et ça, je peux là. Et merci Darky pour le host. Salut à toi. J'ai pas envie de gaspiller mes roquettes pour ces sbires là. Hein? Oh. Aïe! Oh putain! Il me voit lui. Ah mais il y a tout plein de roquettes. Attends, je suis coincé. Ah mais j'ai toutes les armes. En fait ça a repris ce que j'avais laissé sur ma sauvegarde. M'étonnerait, je n'ai pas 376 munitions. Bizarre. Bon, je vais peut-être recommencer là parce que les points de vie là. Et putain mais ils se TP en plus. Franchement, il marche tout doucement, quoi. Un bon niveau de roquette, là. Ah. Il s'est TP. Oh putain! Ah, il m'a fait peur, ce con. Ouh. Ça marche, MHK. Bah, bon courage. Bon courage. Ah, bah non, là j'ai pas de. Oh, bon, on va jouer comme ça là. Ah, oui, j'ai toutes les armes. Non, non, faut, on va jouer à la loyale. Bon courage à toi pour demain et bonne soirée. Bonne nuit. Tu feras du Quake plus tard, je sais pas. C'est pas forcément mon FPS préféré, Quake. Enfin, du moins le premier ça va encore, les autres non quoi. Enfin, les deux quoi. Le 3 c'est autre chose. Très bien le 3 mais... Il n'y a pas d'histoire quoi. Je vais me faire quand même des petits diablotins. Bon, ce qui me fait peur c'est le petit stepé quoi. Ok il est là. Juste que j'écoute. Oh merde. Oh mais putain. Oh mais s'il est planqué, super quoi. Ah ça va être chaud. En tout cas, bonne idée. Bonne idée de défi là. Putain, je suis déjà... J'ai plus de vie quoi. Quoi? Attends, mais il y a de la santé là-haut. Ah ouais, ça va être compliqué. Mais bon, c'est le challenge. Déjà, je fonce dessus, c'est pas bon. Faire mal, hein. Je sens que je vais me faire mal. Hein.
Putain, c'est vraiment le niveau qui me met à l'épreuve, quoi. C'était... Puis en plus il y a un brouillard. Putain, mais il y a des endroits où il se téléporte. Faut que j'apprenne ces endroits. Vache, j'ai à peine le temps. Faut crever à un moment donné, j'ai plus trop de munitions. Eh merde. Ça y est, c'est arrivé. Putain, c'est tendu. Mais j'ai surtout très peu de munitions là. Alors faut pas que je shoote les diablotins, j'ai l'impression. Je vais essayer de me faire le plein avant. Ah, mais là c'est le niveau vraiment qui te met à l'épreuve. Pour pas te prendre une roquette. Putain, merde. Ouais, c'est ça, un bonus quoi. C'est mon cadeau quoi. Non, il n'y a pas de jauge de vie, hélas. Oh, sérieux? Me toucher, là? Parce qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec ce pilier au milieu en fait. Ouais, c'est quand même tendu, mais. Par quoi je... Il y a un. Il touche le mur là, vraiment? En tout cas, ça m'inquiète le nombre de roquettes qu'il faut. Bon, j'ai peut-être pensé à sauvegarder aussi par en là. Est-ce que je peux me mettre là? Ouais, bonus, je sais pas. On va les faire au flingue. Thank you.
viens là, s'il te plaît. Super. Mais après, il se barre, quoi. Allez, deuxième. Putain, c'est chaud, hein. C'est ultra chaud, quoi. Putain, c'est vraiment... Alors ça, c'est vraiment le niveau, si vous voulez vous entraîner. Pour éviter l'auto-roquettage, quoi. Il est juste parfait, quoi. Oh, il y en a un autre, là? Attends. Je suis où? Non, c'est le même. Attends, c'est juste que normalement, je vais là. Et combien de roquettes il lui faut en ultra-violence, quoi? C'est ça aussi qui est incroyable. Mais ils ont repopé ou quoi? Je les avais butés. Ah, ça c'est bien fait. C'est bien joué, ça. Ah, si on n'a plus de roquettes, on peut essayer de le faire au point. C'est une solution. Bah, il fuit. Putain, mais je suis paumé là en fait. Où est-ce que je suis là? Et il cherche plus le combat ou quoi? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il est super intelligent, il se planque derrière. Allez, il vient de battre là. Putain, je sais pas, il reste bloqué derrière là. Un peu relou là, le cyberdémon. Bon, faut qu'on passe vite fait ce niveau quand même. C'est un moment qu'on y est. Mais ça se trouve, il est imbutable. Putain. Et merde, putain, ça y est, ça commence à bien me saouler là. Attends, mais j'ai vidé, je sais pas, 40 roquettes sur sa gueule, il meurt pas. Il y a peut-être autre chose à faire. C'est peut-être un cyberdémon invulnérable et il faut faire autre chose. Quoi, cette épée. Peut-être enregistrer un peu aussi là. Depuis tout à l'heure, je sais pas. Putain.
Putain, j'ai du mal, hein. J'ai jamais vu un cyberdémon aussi solide que lui, hein. Ah bah quand même. Bon, voilà. 40 roquettes. Et donc, c'était chaud, alors je sais pas là. Ah bah ça enchaîne. Ok, super. Pas de côté qui a pas marché. Ah ouais, parce qu'il y a les escaliers. Ça m'a ralenti. Ok, donc c'est le royaume des Mancubus là. Putain! Au secours! Et putain, ça arrive de... à travers les murs en plus! Ah, mais ça se TP! Il y a un nombre limité là quand même, parce que... Hardcore, je crois, le nom de la map. Ouais, c'est ça. Oh. Apparemment... Merde. Apparemment, non. Je n'ai aucune... sur 18. Attends, alors j'ai vu des tirs passer à travers ces murs là. Bon, il me faut une boîte. Voilà. Ah, il y a des trucs sympas en haut là. Ah, faut peut-être que je chope ça avant de tous les buter. Ça c'est l'avant-dernier, logiquement. Ok. Fais voir ça. Comment je fais pour y aller? Moi je peux pas me TP quoi. Comment je fais là? Ah, il y a encore des sons chelous. Ah, peut-être dans le mur de là, attends. Parce que c'est bizarre de me monter là sans rien, quoi. Là? Non. Ok, non, que dalle. Ah, bah voilà. Petite diagonale bien placée. Hop! Ça c'était pas prévu ça. Putain merde, ça se TP. Il faut crever. Merci. Mais je vais jamais avoir assez de munitions là pour tout ça. Putain, mais c'est quoi ce niveau? Je vais être dans la merde bientôt.
Ah non, maintenant j'ai un fusil. Oh, c'est un cyber encore. Mais merde. Merde. Attends, il me faut autre chose là que le fusil. Ah, STP. Attends, bah, c'est n'importe quoi. J'ai jamais réussi à l'avoir là. Y'a rien d'autre? Oh, ouais. Bon, en plus avec des petits couloirs à la con. La moindre roquette là sur un mur, je suis mort. Là, ouais, ça va être très très tendu quand même. Puis alors, combien de fusils il faut là contre ça là? Ah d'accord. Foutage de gueule. Oh. Oh mais j'ai jamais réussi à l'avoir là. Faut être réaliste là quand même. Faut que j'y aille, mais vraiment en petits bras, quoi. Mais ça va être super long. Voilà, quoi. Tant qu'il avance pas trop. Ça va être génial, quoi. Pas plus, merci, t'es porté. Oh putain, je sais pas où il est, mais. Non, reste là. Putain, il s'est encore TP. Y'a pas une boîte là? Si. Quoi? Oh putain, il est encore plus fragile avec le double canon, quoi. Enfin bon, on l'a passé. Ah, il en reste un, putain, mais... Oh là là, c'est quoi ça? Partiellement invisible. Ah non, mais ça va pas me sauver. Ah non, mais j'ai trop peu de vie, là. Oh, mais comment je vais faire, là? Avec 8 points de vie. Attends, mais donnez-moi de la vie, là, au moins. J'ai même pas de roquette. Attends, il est comme ça. Ah voilà. Oh merde! Attends, est-ce qu'il y a besoin? Non, vaut mieux recommencer comme ça. Finir. Je suis étonné. Je suis étonné que ça soit un cyber. Ah, par contre, ça craint. Je suis invisible. Du coup, j'ai vachement mal anticipé ces roquettes là. J'aime pas ça. Putain. Putain, ouais, non, mais je vois rien là.
Non, c'est horrible. Je vais tourner autour de lui et attendre que ça disparaisse, quoi. Par contre, je vois pas. J'espère que ça va s'enlever vite, quoi. Là, non? Ouais. Ah, c'est bon, ça s'enlève. Voilà, c'est bon. Putain, mais là aussi, hein. Là aussi, à la manette, ça me paraît fou, quoi. Là, faut. Enfin, t'as le doigt tout le temps sur la gâchette, quoi. Ouais, pas de côté. J'imagine qu'il y a encore un truc derrière ça. Ah, si on se tape le boss final, merde. Ah non, c'est la fin. Ouh. Bon, du coup, ça, c'est allé vite. Staging area. Donc ça, c'est le premier niveau. Voilà, donc là, on a vraiment fini entièrement Doom 64. Ouais, c'était rapide, hein. Bah, je m'attendais en fait à des niveaux labyrinthiques, mais pas du tout quoi, là c'était vraiment purement fun. Bon, j'aurais eu du mal à le faire hier soir après le boss, vu mon état. Mais sinon, maintenant que je suis un peu plus reposé par rapport à hier soir, je peux dire un peu ce que j'en pense de ce Doom. Bah vraiment, très très bon opus. Je trouve c'est le Doom où il y a l'ambiance la plus glauque de la série. Enfin, il y a Doom 3 aussi, mais je sais pas. En Doom vraiment, on va dire basique, c'est pas vraiment le terme basique, mais en 2D, première génération, voilà, c'est vraiment le plus glauque, hein. Je l'aime beaucoup. Au début j'étais un peu sceptique quand je l'avais essayé un petit peu au début, parce que je trouvais que ça ressemblait trop à Quake, mais au final non, il y a sa patte graphique assez sympa, avec des effets de lumière, de brouillard, d'ambiance quoi. Et surtout l'ambiance sonore quoi, niveau musique. Entre guillemets musique. Qui est juste énorme. Et voilà, du coup, très bonne expérience. Le boss final un peu abusé, enfin même largement abusé. J'ai regardé des vidéos, il se fait principalement au BFG. J'ai pas vu l'arme avec les lasers bizarres. Mais grosso modo, si vous voulez battre ce boss, il faut avoir des munitions de BFG. Et sinon, voilà. À part ce petit défaut avec le boss, je trouve que c'est un très bon opus. Juste le boss final où, en même temps, j'étais hyper crevé, quoi. Mais vraiment hyper crevé. Et je cherchais pas à faire de stratégie ou autre. Mais quand même, il était quand même bien abusé par rapport au reste. Voilà, bon, bah je vais m'arrêter là, je suis en train de refaire le premier niveau, mais on va refaire le jeu une deuxième fois. Voilà, donc ça s'arrête aussi pour moi au niveau du marathon Doom. Donc ça va être Choupi qui va faire la suite sur Doom 3. Également en parallèle, Yoichi qui va continuer Final Doom. J'espère bientôt. Et au final, après Doom 3, donc normalement Choupi fait également les DLC. Enfin les add-ons. Et après, il y aura Doom 2016, fait par un berbe. Et ce sera fini pour ce marathon. Marathon qui aura duré quand même un certain temps, mais voilà. J'essaie juste d'aller là, quand même. Voilà, c'était juste pour le plaisir. Donc je vais m'arrêter là.